Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse à l'habitant. J'ai vraiment trop hâte parce que ça fait un bail qu'on n'en a plus fait. Et je suis trop contente de refaire, ça m'avait trop manqué. Du coup, vous avez un petit aperçu de ma nouvelle entrée pour ma nouvelle île. D'ailleurs, la visite de mon île féerique sortira la semaine prochaine. Parce que sur Instagram, vous aviez voté pour que la chasse sorte avant la visite. Du coup, on va faire comme ça. Là, on est avec un papillon. Apparemment. Bref, j'ai 50 tickets en poche. J'espère que ça suffira. Là, pour l'instant, j'ai 15 habitants dans ma wishlist. Du coup, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait pas durer 3 heures non plus. Je vous afficherai comme d'habitude les habitants que je cherche sur l'écran. Comme ça, vous savez à peu près qui je cherche. Mais en tout cas, je les ai triés par ordre de préférence, en fonction de leur maison et de leur design, enfin de ceux que je préférais en tant qu'habitant, quoi. Et du coup, je sais pas si je le mettrai à l'écran, mais j'ai fait un tableau pour leur attribuer des points et pour pouvoir les trier, savoir qui je cherche en goal ultime, quoi. Et il se trouve que c'est Mirza qui irait le mieux sur mon île actuellement. Si jamais vous me suivez pas sur Instagram et que vous savez pas encore quel thème d'île je fais, je suis partie sur un thème... Sur Instagram, les gens ils appellent ça Spring Core. Mais en gros, c'est pour dire que je fais une île naturelle dans les couleurs jaune, blanc, ocre, enfin ce genre de ton là. Comme ma petite tenue le montre. Et du coup... On va aller voir qui est le premier habitant. Ah, c'est Jambon. Ça, en soi, il est dans les bonnes couleurs, mais s'il n'est pas dans ma wishlist, c'est que ça va pas. Et aussi, si jamais vous vous posez la question, c'est Chelsea qui est partie. C'est vraiment tout le contraire de ce que je recherche. Après, elle est pas moche. Ah, une autruche. C'est une autruche qui a pas de cheveux. Je savais pas qu'elle avait pas de cheveux. Ah non. Papamella, non. Non. J'allais lui parler. De toute façon, elle m'aura oublié, mais... Au moins, elle m'en veut pas. Je l'ai vraiment dégagée sans scrupule. Je sais même pas si je lui avais dit au revoir avant de la donner à quelqu'un sur Nookazon. Bye. Ah non. Pas les lions, hein, s'il vous plaît. Oh non. Pourtant, j'adore les écureuils. Mais ceux avec les casques, là... Non, merci. Alors, Marina... Restez calme. Vraiment, c'est une angoisse, les poulpes. Désolée pour tous ceux qui aiment les poulpes. Je suis pas poulpophobe, mais j'en ai marre. Dixième, on a une île aux clochettes et on a Monique. Est-ce qu'on aura de la chance avec l'île au bambou? Et non. D'ailleurs, tant que je suis là, vous trouveriez pas ça trop cool que la carte là, elle se mette à jour en fonction de notre île. Genre que ce soit une représentation de notre vraie carte, quoi. Ce serait trop stylé, je trouve. On avait dit Palais Lyon. C'est un pingouin. Oui. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Une deuxième chance pour l'île au bambou, peut-être. Et non. Ah, j'ai vu du jaune. C'est non. Oh, Rena. Ah bah non, Renata. Oh, Choco. Il est cute. Nefertiti. Je l'ai déjà eu chez moi. Elle est très cool. Encore? Mais... Elle est trop cute. Je voulais la prendre avant. Mais bon, là, elle va plus trop dans mon thème. Mais Camille, elle est vraiment trop, trop belle. Non, merci. Oh. Si vous voulez avoir une petite idée d'où j'en suis, là, ça fait 3/4 d'heure que je filme. Oh, c'est Rudy. Yes. L'île aux poires. Oh. Il a vraiment une tête de poire, lui, par contre. Vraiment laid. Je suis avec sa tête de musicien là. C'est Jackie, je crois. Ah non.
Et troisième chance pour l'île au bambou. Troisième échec pour l'île au bambou. Ah. Bah comme ça, on aurait eu les trois poulpes. Et c'est encore un kangourou. Super. Et quatrième chance pour l'île au bambou. Elle est pas moche, hein, Misty Gris, elle est super cute. Mais non. Ah, c'est Martin. J'avais aussi hésité à le mettre dans ma wishlist. Mais les chevaux, ils sont vraiment trop grands en fait. Ah, c'est encore un pingouin, je pense. C'est... Ah non, c'est un chien. Mais c'est pas le bon chien. C'est dommage qu'il soit si laid. Hein. Parce que vraiment, les couleurs de ses poils, on va dire. La couleur est vraiment bien. Mais sa tête, quoi. Ah. C'est pas jaune, ça. Oh, c'est... Calyptus. Oh. Je l'ai eu sur mon île, lui aussi. Mais pour le coup, je crois que c'est celui qui irait le moins bien sur mon île actuellement. Bon, il nous reste 13 tickets. Enfin, en soi, j'en ai encore chez moi, dans mon inventaire à la maison, mais... J'aimerais bien trouver quelqu'un assez vite. On a plein de singes pour l'instant. Ils ont décidé de me donner toutes les grenouilles cheloues, là. Dommage. Ah, est-ce que ce serait la revanche de l'île au bambou? Cinquième tentative. Et cinquième échec, youpi. Je vais arrêter d'avoir espoir dans l'île au bambou. Ça n'a aucun sens. Ah non. Ah non. Ah oui, j'avais reconnu à ses pieds. Oh. Elle est trop belle, Blanche. Je crois que si on trouve pas quelqu'un dans les 7 prochaines îles, je reprendrai la chasse demain matin. Je ferai un time travel pour rester à la bonne date. Là, pour pas vous mentir, il est 23h08 et je suis fatiguée. Bon, est-ce qu'on y croit encore? Non. Ah, c'est Lobo. Yes. Oh non. Il y a tellement de... roses. Mais... c'est trop rose. C'est même pas rose, c'est fuchsia. C'est encore pire. Ah non. En plus, il me semble que les grenouilles, elles sont rares. Alors que là, on a eu la grenouille métallique, on a eu la grenouille malade, on a eu deux fois Renata, on a eu lui. Ça fait beaucoup de grenouilles. Et c'est rose. Oh, Marina. Ah, j'en ai marre. Oh non. Je me suis fait spoil. Bon bah... On peut repartir direct. Moi, je vais aller faire dodo. On se retrouve demain. Enfin, pour vous, c'est dans 5 secondes. Mais du coup, à tout de suite. Bon, on est le lendemain. Du coup, si jamais il y a un changement de son ou bien de tonalité dans ma voix, je suis désolée. J'ai repris 50 tickets. J'espère que cette fois-ci, ce sera assez. Ça m'étonne déjà qu'en 50 tickets tout court, on ait trouvé personne. Mais bon. Ah, Marilou. Bah, si j'ai pas pris blanc, je sais pas pour prendre Marilou. Oh, Tiphaine. Je l'aime trop. Ah, je l'aime trop, Tiphaine. Je crois que je l'ai jamais croisée depuis qu'elle est partie de mon île. Ah, mais d'ailleurs, je vous ai pas dit. J'ai profité que je coupais mon jeu hier soir pour effacer le cache, enfin vider le cache de la console. Parce que sous une de mes dernières chasses, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de vider le cache si jamais je commençais à avoir tout le temps les mêmes habitants et que ce soit vachement redondant, quoi. Du coup, j'ai fait ça. Marilou, je l'avais déjà croisée quelques fois, mais Tiphaine, ça fait vraiment super longtemps que je l'ai pas vue en fait. Du coup, ça marche sûrement. J'espère qu'on aura un peu plus d'habitants stylés. Hier, c'était vraiment une catastrophe. Ah,
Bah, elle, on l'avait déjà croisée. Super. Bon, j'abandonne, hein, l'île au bambou, on va arrêter de compter. Bébé. J'avais fait une chasse où je le cherchais. Je crois que j'avais pas encore YouTube à ce moment-là, du coup, je l'avais fait de mon côté, quoi. J'avais tellement galéré à le trouver. Je crois que j'avais utilisé 200 tickets, un truc comme ça. Et même les gens sur les groupes Facebook, Discord, etc. Personne ne l'avait. Il y a une fille qui m'avait contactée parce que j'avais fait une demande sur Facebook. Elle m'avait dit qu'elle l'avait chez elle et qu'elle s'apprêtait à le faire partir, du coup qu'elle pouvait me le réserver, quoi. Mais vraiment, personne l'avait en carton, même sur Nookazone, enfin, c'était un enfer. Ça fait trop plaisir de le voir, il est trop mignon. Comme quoi, le fait de vider le cache, pas mal, hein. Ça permet de voir plein de nouvelles têtes. En même temps, sur 400 habitants qu'il y a dans le jeu, je tournais en rond tout le temps. J'avais tout le temps les mêmes. Peut-être qu'on va enfin se débarrasser des poulpes et des lions. Ce serait fou. Oh, trop cute. Il me semble que je l'avais jamais croisé non plus. Mais je suis pas super fan des éléphants. Genre, ils sont super beaux. Shai, elle est magnifique. Il y en a plein qui sont trop belles. Genre, c'est Opaline, je crois. Elle, c'est Héloïse. Il y a Ella aussi qui est super chou. Mais j'aime pas trop le design des éléphants. Ah. Elle est trop chou. J'adore sa bouche. C'est un peu comme Anna. Anna aussi, elle a sa petite bouche en coin comme ça. C'est trop mignon. Elle non plus, je l'avais jamais croisée. Enfin, je vais arrêter de le dire à chaque fois que je croise quelqu'un de nouveau, mais ça fait plaisir. Vraiment, merci à la personne qui m'avait proposé ça, du coup. J'ai mis du temps avant de le faire, mais j'avais peur que ça touche à mon jeu, en fait. Mais du coup, merci à toi de m'avoir proposé ça. Un taureau. Génial. C'est très bleu, tout ça. Elle a vraiment un t-shirt léopard. Ah non. Quelle angoisse. Ça me dégoûte. Oh, c'est qui? Oh non. Je sais pas. Je crois que je vais pas la prendre. Parce que sa maison, je crois qu'elle est vraiment bien dans le thème et tout. J'ai vraiment trop hésité à la mettre dans ma wishlist. Mais j'ai du mal avec ses yeux. Enfin, son design me parle pas trop. Du coup, je suis quasiment sûre que si je la prends, je vais pas m'attacher à elle, quoi. Donc je me dis, autant continuer. Maintenant que j'ai vidé le cache, j'ai l'impression que je me rapproche de ceux de ma wishlist. Oh, mon koala préféré. Il est trop trop cool, Gonzo, je l'aime trop. Je sais pas pourquoi je prends toujours une voix de bébé quand je tombe sur quelqu'un que j'aime bien. Ah non. Encore un oiseau. Trop rose. Oh. Pas de kangourou, s'il vous plaît. Ouais. Ça va, elle est jolie. Oh. Yes. Oh, elle est trop belle. C'était la 100e sur ma liste, du coup. Et c'était quand même la 3e. Hein. Ex aequo avec Sabrina. Pas mal. Et j'adore vraiment sa maison. Oh, elle est trop belle. Et du coup, on l'a trouvée en 68 tickets. Ah, oh, elle est trop belle. Bon, allez. On va rentrer... Oh, je suis trop contente. Ah, j'ai bien fait de pas prendre Olympe. Hein. Oh non, il pleut. Tada. Je vais faire un dernier petit truc avec vous. Je vais faire venir Damia au camping. Damia, je l'avais déjà eu sur mon île automnale aussi. Mais je l'aime trop. C'est une de mes préférées, donc j'étais obligée. Et sa maison, elle est trop trop belle aussi. Coucou bébé. Ici, c'est la 3e fois que je l'invite. Du coup,
Là, je vais pouvoir choisir qui elle va remplacer quand je lui aurai fait son buisson en carton. Et demain, normalement, elle sera là. Ou dans 2 jours. Je crois que c'est dans 2 jours puisqu'il faut le temps que sa maison se construise. Alors, on va faire partir Ursula. Parce que j'ai son ami Beau aussi et du coup, ça me fait un petit peu moins mal au cœur de la faire partir. Du coup, ici, je vais sûrement proposer sur Instagram si jamais quelqu'un veut reprendre Ursula. Elle doit sûrement être en carton là déjà. Donc voilà. Pour les prochaines fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram hein, parce que je mets souvent des stories comme ça où si j'ai un habitant qui part, je le mets en story et si jamais ça intéresse quelqu'un, vous venez le chercher quoi. Mais tout ça, ça se passe sur Instagram parce que c'est beaucoup plus facile d'accès que les stories YouTube, je trouve. Ouais, du coup, elle est déjà en carton. Regardez la robe que ma soeur lui a donnée. J'ai la haine. Non, elle est trop belle, Ursula. Tu vas me manquer, bébé. Non. Bon, du coup, c'est ici qu'on va se dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que j'ai été vache avec certains habitants. Mais bon, au final, je suis contente de celle que j'ai prise. Je suis très 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 contente. C'est vraiment une de mes goals que je voulais absolument. Du coup, je suis refaite. Si jamais les chasses comme ça vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, du coup, je vais en faire plusieurs. Vu que je refais toute mon île, je vais devoir changer beaucoup de mes habitants. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et aussi, si ça vous intéresse, j'ai déjà une playlist qui s'appelle Chasse à l'habitant. Si jamais vous voulez regarder toutes mes anciennes chasses. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la visite de mon île féerique. Et en attendant, bye !